Bonjour, mon bon frère, c'est l'île Maurice, dans le monde entier que je t'étais. Bonjour, bonjour, Et bonjour. aujourd'hui, me présente un mari avec un Jean avec nous encore aujourd'hui, qui continue sa vidéo qui nous a déjà fini fait, la semaine dernière. Mais nous avons un problème computer, mais nous ne sommes pas capables de terminer. Mais nous essayons que si nous sommes capables de finir aujourd'hui, d'après les temps. Ah, mais oui, c'est un sujet que nous tu peux étudier là. Les qui faire, Jésus, tu as besoin de moi. Je m'appelle James, pour ceux qui ne connaissent mon nom, pas connaissent mon nom, pour la première fois, je m'appelle James. Et aujourd'hui, nous pouvons lire nous pouvons lire un verset. Après, moi pour expliquer un petit peu ce verset-là. Là, Jean, il peut donner sa réponse parce qu'il m'a une question. Après, Jean vous donne sa réponse. Là, à présent, Marie vous donne sa réponse, le même sujet là. Là, moi, je vous donne ma réponse en dernier. Mais je souhaitais qu'ils aient enjoy sa vidéo là, qu'ils aient apprendre quelque chose en dans là-dedans. Pareil comme moi, tous les temps, quand je fais la Bible, je apprends quelque chose toujours moi aussi. Dans Romains chapitre 3, verset 25 jusqu'à verset 26. Il dit, non, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier le péché pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant. Au temps de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans les temps présents. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Ça veut dire de ce verset-là, comme des gens portant ça avec d'autres avant, montre-nous que Jésus-Christ est venu à la terre pour montrer nous, pour donner une démonstration, pour montrer nous que Dieu, lien Dieu est toujours les justes, les vertueux et les justes. Et aussi, il montre nous le péché qu'il nous a commis auparavant. Les genoux comme ça, qui jamais les fins toujours impunis. Les jamais les fins punis personne. Impuni veut dire qu'ils jamais les punis aucun péché dans le passé. Et les genoux de sa vie, c'est là aussi, même dans le présent, les pas fins punis personne. Et maintenant, il montre nous un autre point qui nous apprend en cours de ça, deux versets, Romains chapitre 3 là, qui les temps Jésus-Christ, tu mors, l'eau la croix, Dieu, tu juste et les tu vertueux. Ça veut dire que ça ban du monde qui pas pour accepter là, ça ban des enfants qui pas pour accepter là, ils peuvent bien s'agréer qu'ils aient le mot, mais c'est moi Dieu qui pourrait toujours vertueux et juste, pareil. Et il montre nous encore qui dans si un du monde pensait si maintenant un ban du monde qui mange avec bon Dieu qu'il y a autre la Bible, si je pensais si je encore toujours dans ça dans autre pensée que Dieu est un Dieu arbitraire, qui est un Dieu vindicatif, qui est un Dieu vengé, ou bien il y a un tyrannique, mais ça veut dire que je ne comprends vraiment ce que Jésus-Christ vient de montrer nous, qui vraiment Dieu pas ça du tout. Il y a un Dieu vertueux et il y a un Dieu juste. Maintenant, si je tenais l'occasion, je regarde ça dans une autre place encore pour montrer aux autres, que Dieu vient de dire, ça travaille là, qui vraiment lit un travail, comment il appelle ça? Il appelle ça un travail étrange quand il peut laisser ses enfants aller. Il y a un travail étrange. Dans Ésaïe, chapitre 28, verset 21, il dit, mais quelle tâche étrange quand il peut laisser ses enfants aller. À ce stade-là, je suis capable de trouver ça dans Jérémie, chapitre 34, verset 20. Il dit, je vous livrerai à vos ennemis. À vos ennemis, c'est les diables. Et à ceux qui, en veillant à votre vie, ce qui pérode nous la vie, c'est Satan. Et vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux animaux sauvages. Et un autre verset encore, moi, pour expliquer ça, mais je vais lire dans Ésaïe, chapitre 66, verset 24. Mais bon Dieu, toujours envie que tous nos enfants soient sauvés, mais pas passe par Satan. Pour elle perdre la vie. Parce qu'il sème une grande controverse qui existait dans le ciel et l'eau, la terre. Et dans sa grande controverse-là, en Dieu et Satan.
li pa nan la guerre, comment dire, nan la guerre bombe atomique, mais nan la guerre qui c'est nan qui peut dire la vérité. Mais moi, mon al découvert, d'après mon lié la Bible, Jésus, Dieu, il dit toujours dire ça qui est la vérité, il dit pas cause mensonge. Mais Satan pas capable de servir la vérité parce qu'il peut dans la vérité dans lui. Mais Dieu pas servi mensonge parce qu'il peut dans mensonge dans lui. À ce temps, nous devons prendre nos décisions, qui côté nous les aller? Aller du côté mensonge ou bien du côté la vérité? Ma question, Lila, est-ce qui est important qui nous comprend? Qui fait Jésus-Christ si besoin mot? Maintenant, on passe la parole à Jean pour rendre son réponse. Merci, Jean. Oui, et pourtant, qui fait, nous besoin connaître qui fait Jésus, une mot. Dans Hébreu, l'apôtre Paul dit, chapitre 10, verset 3. Mais en fait, ce sacrifice rappelle chaque année le souvenir du péché. Verset 4. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Ôte les péchés. OK? Ça devient cela qui montre nous qui se sacrifie ça, ben le peuple de Dieu auparavant, je crois qu'il sacrifice pour sauver votre péché. Mais la Bible dit, les justes font autres rappels votre péché. Il est impossible qu'il sacrifice, comme la Bible dit, il est impossible qu'il sacrifice qu'ils ont tué comme auparavant, qui fait autres arrêter belle contre Dieu. Mais il n'est pas vrai, étant nous liés dans la diversité. Là. OK? Avec ça, voilà, chapitre 5, verset 5. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as pris nul plaisir au holocauste, au sacrifice pour le péché. Ça montre qu'il y a là-dedans, sacrifice qu'ils ont typé faire, jamais, bon Dieu, tu prends plaisir là-dedans. Ça montre pour jamais qui, bon Dieu, tu prends plaisir de rendre sacrifice. Ça, c'est ce que je vais trouver. Ça veut dire, lui-même qui est, bon Dieu, même qui vient faire un écho, pour lui-même capable d'expliquer qui, dans Eden, Satan, il accuse bon Dieu. Il y a qui se montre bien mentir, il montre nous là-dedans. Ici, si Satan peut dire, ah, mais moi, ça fouille là, je ne pas pour moi, il y a un gros mensonge, une cause aux autres, qui se prône les bien, les mal. Là-dedans, nous trouvons que Satan est un grand mentir. À ce là, dans verset 7, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Verset 7 explique que Jésus peut montrer avant qu'il vienne sur la terre dans l'Ancien Testament, il nous a expliqué qu'il a mot, qu'il est pour une mot dans l'Ancien Testament, qui ça, l'amour là, si nous pas accepter ça, nous pas accepter lui, nous pouvons pas porter à l'amour qu'il explique nous dans les temps dans l'ordre Eden là. Ce qui me comprend dans la verset. Ça veut dire oui, il y a pourtant qui nous comprend qui fait Jésus-Christ qui a besoin mot. Parce que les temps Adam et Ève par exemple, je mange ça fruit là, vraiment ça pas de mot ça joue là. Parce que la Bible dit, Jésus dit, bon Dieu dit comme ça, Zou tout mon sa fouille là tout pour moi. Mais ça joue là vraiment, Adam et Ève, pas de mots. Là, Satan passe, comment dire, pour vrai. Mais vraiment, Satan lui-même, l'étant le tien péché dans le ciel. Bon Dieu finit de mettre l'île au live support. Parce qu'il a besoin de nous l'étant pour montrer ce gouvernement. À ce temps-là, l'étant dit, Adam et Ève, pas mon sa fouille là. Zou zot mon sa zot pour moi. Bon Dieu, je connais zou zot mon sa zot pour moi. Mais les temps zot in mon sa fouille là, zot senti qui zot in nu. Zot ne pli, et là sa la lumière, là sa robe de justice là, zot nu. Sem qui zot besoin casse fait figue pour zot couvert zot. Mais sem zou zot besoin mot. Dieu met zot l'eau live, c'est pas de suite pareil qu'on l'in met Satan. Il est là, il besoin de zot les temps pour prendre zot décision zot ici pour accepter Satan parce qu'il maintenant zot trouve. Gouvernement Satan avec gouvernement bon Dieu. Là, c'est besoin pour cette décision.
Mais c'est la mort qui est tué mort là, qui est une mort là. Mais jamais les tu la mort qui bon Dieu tu peux dire dans le jardin d'Éden. Parce que bon Dieu peut montrer parce que par exemple je demande bon Dieu étant Dieu étant Jésus Christ tu pourrais lever Lazare. Je dis Jésus Christ je comme ça Lazare peut dormir. Mais je pas tenir comprendre je dis non s'il peut dormir il peut ok. Et là, Jésus-Christ il parle ouvertement dans la Bible que Lazare est mort. Mais ça, la mort, là, il appelle ça un premier mort. Pas appelle ça deuxième mort. Mais deuxième mort, c'est que la séparation avec Dieu et ses bons enfants. Ça, la mort, là, qui, bon, Dieu, tu peux causer. Et ça, la mort, là, qui Jésus vient mort, là, la croix. Et la mort, séparation. Ça, là, nous pourrons là-dedans un peu plus, nous capables d'expliquer ça. Continuez, Jean. Ouais. Et l'autre verset encore dans Jacques qui montre nous, nous pouvons que nous puissions obéir à la parole, nous pouvons écouter après qu'il nous permette en pratique. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduire là en acte, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Verset 23. En effet, si quelqu'un se contentait d'écouter la parole sans y confondait ses actes, il ressemblait à un homme qui, sans observer dans un miroir, découvrait son visage. Verset 24. Après être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Verset 25. Voici au contraire un homme qui s'explique la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après avoir entendu, il y a confondre ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ça, l'important qu'il nous comprend qu'il fait Jésus tu bien une mot d'après Jacques, sa quatre versets là, qui nous lit, lui montrer si nous. Si nous continuons à résider sur parole, sur l'amour, mais nous avons un passeport sur l'amour. Là. Ouais. L'amour qui nous vient pour, qui nous vient pour, lui montrer nous. Là, qui montre que sa séparation-là, avec nous, de bon Dieu, si nous acceptons ça, Jésus-Christ, pour nouveau passeport sur l'amour qui nous montre nous, là, quoi. Là. Un amour éternel, mais mon un Dieu, grâce qui nous prend en considération. Mais quand nous lisons Jacques, verset 22, là, il montrait qu'il vraiment, tout ce qui vous lire la parole là, en même temps, on ne lit pas pour nous exactement, actuellement, qui, on va dire, vous-même, si nous pouvons écouter la parole, nous pouvons, la question qui nous pour prendre en considération, et là, nous pouvons mettre d'un côté, mais on ne lit pas pour bon, nous faire une désobéissance dans ce parole. Mais moi, c'est que je me trouvais, je me rends grâce au Seigneur qui nous tout, quand nous voulons lire un verset, nous prenons ça à cœur. C'est ce que je peux dire. Amen. Est-ce qu'il est important que nous comprenions qu'il fait Jésus-Christ qui a besoin d'une mort à un mari? Oui, il est bien important que nous comprenions qu'il fait Jésus-Christ une besoin d'une mort. Mais moi, mon verset dans Romains, chapitre 3, verset 4, par exemple, Dieu dit toujours la vérité, mais personne n'est pas capable d'amener la cour. Lui-même amène la cour. Et lui-même juge. Et qui se bat des enfants, et même ban aussi, même ban série, ben même. Mais Lila, il peut toujours remporter la victoire parce que Jésus, il fait toujours ce qu'il doit. Oui. Oui. Marie, tu as besoin de lire ça, mais pourquoi il y a dit, vous me trompez, c'est pas Marie de lire Romains chapitre 3, verset 4. Oui. Marie, tu l'as lu, Romains chapitre 3, verset 4? Non, il y a lu, c'est lui. Oui. Et dans Romains, chapitre 3, verset 4, « Loin de là, que Dieu soit reconnu comme disant la vérité, et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Mais quand il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences, et tu seras vainqueur.
lorsque tu rends ton jugement. Right. Là, Marine explique ça bien. Marine donne sa réponse avant qu'il lise son verset. Marine est un petit peu ahead, mais elle aime bien faire. C'est que Marie, on les fait comprendre, pardonne-moi, c'est que Marie, on les fait comprendre, disait que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Ça veut dire nous tous, en vérité, nous tous, on menteur. Pardonne-moi. On laisse tomber trop bien. Qui vraiment, qui l'homme, tout bon l'homme est menteur. Personne ne peut pas mentir sur la terre. Là. Mais Dieu toujours les juste, il dit à nous la vérité. À ce moment-là, il dit à nous, quand il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences. Quand on peut dire nous, dans tes sentences, ça veut dire qu'il n'est pas juste là, il n'est pas juste là. Ça veut dire qu'il montre nous encore, et tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Parce que là, tous les enfants, comme Marine dit, tous les anges, tous les chérubins qui sont dans les ciels, les autres qui viennent juste là. Parce que personne ne peut amener le bon Dieu la cour. Parce qu'il aime plus haut que tout. Mais il a besoin, il amène ni la cour, il fait souvent les enfants juste. Et il est toujours sorti en vainqueur, qui toujours il ride dans son jugement. Merci beaucoup, Marie. Vraiment, quelque chose extraordinaire. Qui est le bon Dieu qui peut faire ça là? Il existe un grand Dieu créateur là qui est capable de faire ça. Vraiment, il amène ni devant la cour, il fait souvent les enfants viennent juste pour juste. Extra ça verset là. Merci, Marie. Après? Et mon encore un verset toujours dans Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Qui fin accompli? Mais dans Jean, tout est accompli. Dans Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous avons un verset encore dans Jean même, chapitre 3, 38, dans Jean, chapitre 6 et 36. Chapitre 6, 38 et chapitre 8, 29. Et nous n'avons pas un verset encore dans Jean, chapitre 14, verset 5. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Dans Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Mais c'est ça qui me comprend dans ce verset là. Oui, si vraiment nous comptons ça Dieu là, mais nous faisons garder ce commandement, nous faisons fidèles, bien même qui nous demeure dans l'amour de Dieu. Amen. Et vraiment, il montre nous que Jésus-Christ, il montre nous, il vient là pour faire la volonté de ce papa. Plusieurs places, il vient là pour faire la volonté de ce papa. Et Satan dit, nous pas capable de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus-Christ, il vient montrer nous, il donne nous une démonstration qui vraiment nous capable de faire la volonté de Dieu. Et il vient montrer nous qui vraiment est capable de faire lui, il vient dans les corps humains, il montre nous qu'il est capable de faire lui, et il montre nous que nous aussi nous capable de faire lui. Il dit, étant il vient là, il garde les commandements de ce papa. Les commandements de ce papa, c'est 10 commandements. Et il dit, nous garde ce commandement, et quand nous garde ce commandement, c'est nous qui garde les commandements de ce papa. C'est le même commandement, mais c'est moi, là, il vient montrer nous, avant, il dit, nous, comme ça, il ne faut pas nous commettre adultère. Maintenant, il dit, si nous pensons adultère dans la tête, nous déjà commettons lui. Il est venu plus hard, mais il y a du monde croit, comment dire, à ce qu'il est plus facile, il n'enlève ce commandement jamais. Ce commandement, toujours le caractère de ce papa, ce caractère lui-même. Et Dieu et ce papa ont le même caractère. Merci Marie pour ça, je suis bien content. Et vraiment, il y a une petite chose formidable. Maintenant, mon tour pour rendre sa réponse là, je vais essayer rapide, faire un peu vite, parce que mon tour est un peu traversé. Dans Genèse, chapitre 2, verset 17, il dit à nous, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand les jours où tu en mangeras, tu mourras. Si bon Dieu vient dire nous, il y a des paroles dans la Bible qui viennent vraiment tous moi. Il dit nous comme ça, une fois que tu en prends, bon Dieu vient créer des grandes lumières. Sa première, plus grande lumière là, appelle le soleil. Sa deuxième lumière là, appelle la lune. Mais l'État de vie en Australie, après un an ou quoi, pas trop longtemps,
je dis moi comme ça, non. La lune pénale la lumière. La lune reflétait la lumière du soleil. Quand les ours là-bas, les là qui nous gagnent ça la lumière, soleil là, reflétait soleil là, l'eau, la lune, c'est ça qui la lune de nous la lumière. Je dis, mais qui fait dans Genèse, dit nous comme ça, tu as des grandes lumières. Bon Dieu cause menti, je dis, pourquoi pas bon Dieu cause menti. Après un an, quoi, une affaire comme ça, après, moi là, on prend. Qui dans la Bible, je nous, on parle de premier verset là, mais nous disons que si j'ai envie de connaître, je suis capable d'écrire, tout écrire, moi, je vais vous dire ça, verset là. Il dit nous comme ça, soleil, la lune, tu parais comme nous soleil aujourd'hui, avant le déluge. Et nous soleil, tu es cette fois brillant qui y a ce là. Bon Dieu, fin baisse, fin diminuer sa générateur soleil là, six fois. Astère, c'est qui nous gagne le soleil comme aujourd'hui. Et il coupe sa générateur, la lune, là, c'est qui nous prend la lumière, le soleil. Mais c'est moi, bon Dieu, bien dire. Il y a des grandes lumières qu'il y crée. Pareil, comment il dit nous, là, dans Genèse, il dit nous comme ça, il dit nous, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam, tu as besoin, Adam et Ève, tu as besoin de mourir ce jour-là. Ça même qu'ils ont trouvé, ils ont senti, ils ont nu, ils ont besoin de casser. Mais il y a une petite chose qui te faisait arriver là, l'amour qui te faisait traverser là. Mais seulement, bon Dieu, par les autres mots, il fait une autres, le life support. Pareil, comment il met Satan le life support? Si bon Dieu, tu es Satan mort, ben, on se pour payer pour servir lui. Mais c'est pour cela qu'il fait mettre le life support. Il dit, me donne-toi le temps pour montrer ton gouvernement, qui te dit ton gouvernement, pour plus bon que mon gouvernement. Mais à ce moment-là, Satan gagne le temps pour montrer ce gouvernement. Après que Satan, ça, l'époque-là, il peut arriver. Il faut bien aller là. Parce que ce live se porte pour finir. Mais il a besoin de finir mort depuis longtemps. Adam et Ève, ils ont besoin de finir mort au même jour. Mais ils ont fini de vivre, moi, plus qu'il y a 900 ans. Par exemple, comme nous aussi, nous avons un live se porte. Free is Coten, c'est 70 ans. Mais il y a beaucoup de monde qui passent 70 ans parce qu'ils vont dire à cause de un peu plus robuste. Il y a beaucoup de monde qui vivent plus que 70 ans, dans l'époque qui nous peut vivre, à cause de la nourriture, etc. Mais bon, Dieu donne-nous un bon moment pour vivre. Mais enfin, nous parlons de ça, c'est là. Laisse-moi rentrer dans Genèse, chapitre 3, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Bon, on dit que tu es pour mort, Satan dit non, tu n'es pas pour mort. Quelle est la cause vraie que c'est une cause mentie? Vraiment, les autres pas de mort. Satan paraît qu'on va dire, lui qui dit la vérité, bon, Dieu paraît lui qui dit une cause mentie. Mais à ce moment-là, qui nous en comprend, qui non, bon, Dieu finit de mettre Adam et Ève, l'on l'a dit, c'est faute. Pareil comment il met Satan le live support. Verset 5, il dit nous, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Parce qu'Adam et Ève, tu connais du bien, mais pas tu connais du mal. Ah, mais dès qu'ils ont mangé ce fruit-là, ils ont pu connaître du mal, of course. Verset 7 aussi, il montre nous, Adam et Ève, il annonce ça, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront, ils connurent qu'ils étaient nus. Ça même jour qu'ils ont trouvé, ils ont nus là, ils ont une paix là, ils ont besoin de mourir ça jour là. Bon Dieu, fin mes autres, le live c'est pour nous, mon frère et soeur. Il est bien clair pour nous comprendre ça. Et à ce moment-là, nous trouvons nous venons comprendre que tout quand même Satan, ça entière sa bande 11 là, avec Adam et Ève, et nous aussi, pareil, nous l'enlève ses portes, jusqu'à Jésus au retour. Là, qui c'est là qui peut dire la vérité? Est-ce que bon Dieu vient dire la vérité, ou bien Satan vient dire la vérité? Premièrement, l'état Satan, tout premier l'amour traversé dans Genèse, et tout premier l'amour arrivé, il n'est pas tracassé lui-même. Il dit, mais maintenant, vous dire vraiment une cause mentie, vraiment, je ne commence mort. Et bon Dieu dit comme ça, et Jésus-Christ dit comme ça, ça l'amour là, pas ça l'amour là que Christ a fait causer. Pas ça l'amour là, ça, elle appelle ça premier amour, premier mot. Premier mot, pareil comment ce petit mot, comment appelle ça de Lazare. Lazare, petit mot, il dit comme ça, Lazare, fin mot, il appelle relève-lui. Ça appelle ça le premier mot. Mais deuxième mot, c'est un amour séparation. Afin de vous trouver ça dans quelques minutes là, il dit. Si le PC parti existait, par exemple, ça veut dire jamais parti pour être dans l'amour. Si PC parti existait, l'amour qui bon Dieu tu peux dire dans Genèse,
c'est le péché qui amène nous vers la mort. Le péché toujours amène nous vers la mort. Dans Romains chapitre 6, verset 23, je crois, si on ne va pas tromper, il amène nous vers la mort. Astrid, nous, ça. Qui était la mort qui nous peut causer le premier mot? Premier mot, quand nous peut causer hors d'attaque, nous peut causer cancer, nous peut causer un problème accident, ça va un problème là, ça qu'on appelle le premier mot. Mais c'est la mort qui Dieu qui peut causer dans les ordres des dents là, c'est pas la première mort qu'il peut causer. Il peut causer un amour qui une séparation en Dieu avec ce même peuple. Mais sa première mort là, nous pourrait susciter ça. Tous ceux qui croient en Christ pour ressusciter le deuxième retour. Ça nous vous trouve ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, la mort là, c'est le premier mot. Mais deuxième mot pour arriver quand un troisième retour de Jésus-Christ, l'eau salatée est là. Dans Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ prennent la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que je pourrais ressusciter d'autres quand je retourne au dernier jour. Jésus appelle le premier mot un amour sommeil. Quand je pourrais lire dans Jean chapitre 11, verset 13, il dit Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement des sommeils. Parce que Jésus dit dans verset 11, il peut dormir. Mais tu pensais, s'il peut dormir, il pourrait réveiller, il pourrait, OK. Aussi, je peux trouver, ça veut dire qu'il appelle ça l'amour au sommeil, qu'il pourrait réveiller. De même que Jésus montre aux autres qu'il relève la genre. Et dans le troisième retour, c'est là que Jésus pour ressusciter sa bande du monde qui fait une mort. Péché là, qui n'a pas accepté là. Et ça, l'amour là, tu appelles ça premier mot pareil. Mais après ça, l'amour là, qui vient un deuxième l'amour, qui est l'amour qui jamais pour retourner à la vie. Mais ça, Jésus montre nous bien, mais qui nous tout le live supporte pour le moment. C'est ce qu'il parle, il y a lui aussi dans Jean, chapitre, qui peut arriver pour plus tard, dans Jean, chapitre 12, verset 47-48, Apocalypse, chapitre 20, verset 12 à 15. Maintenant, qui est l'amour qui Jésus, tu mords, l'eau la croix. Ça qui est important pour nous connaître. Qui est l'amour qui Jésus-Christ t'aime l'eau la croix? Jésus t'aime un amour terrifiant. Ça, nous venons de doute l'eau là. Nous appelons ça l'amour là, un amour séparation venant de Dieu. Quand nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il dit nous ça, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Ça veut dire, c'est ça qui sépare nous. Mais si nous pas on a la foi en Jésus-Christ, ça veut dire nous pourrions être toujours dans nos péchés. Ça veut dire nous pour séparer avec Dieu. Mais Dieu est source de la vie. Quand nous séparons avec Dieu, nous perdons la mort. Les bien clair. Mais par exemple, quand nous peut cause la colère de Dieu, par exemple. La colère de Dieu, ce qui est important que nous connaissons, dans la Bible, il écrit la colère de Dieu et la colère de Satan, il écrit pareil. Mais seulement quand Satan est bien en colère, il peut détruire, il peut toujours faire ce qui n'est pas bon, il détruire, faire toi pas se mentir, il faire ce qu'il a envie en toi, mais tu peux gagner du mal même toujours en lui. Mais quand Dieu est bien, bien, bien en colère, qu'il lui fait? Il laisse nous aller. Regardez nous dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Impiété, quand on peut dire impiété, c'est contre les hommes qui ne honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffant ainsi malhonnêtement la vérité. Ça, dans malhonnête, toujours pour cacher la vérité. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Là, quand Dieu finit bien en colère, qu'il est pour faire? Verset 24, il dit à nous, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impiété, selon la convoitise de leur cœur,
Je suis bien content pour faire convoitise, pour convoiter, bon Dieu, les autres, allez. Déjà nous, ça, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leur femme est sans, ont changé l'usage naturel en celui qui contre nature. Ben, fin changé et bonne femme fin changé, c'est même qui nous appelle Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans verset 28, il dit à nous, comme ils ne sont pas soucis de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. À ce là il montre nous dans son verset 24, dans verset 26, dans verset 28, trois fois il dit à nous, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Et dans chose ici, pareil, si nous restons là, si nous avons le Sodome et Gomorrhe, dans Osée, chapitre 11, verset 7 et 8, Dieu dit comme ça, « Tu es peuple Israël, qui fait juste envie, les autres aller, comme mon fin laisse Adma et Zeboïm aller. » Adma et Zeboïm, Sodome et Gomorrhe, quatre cités qui finissent détruire. Qui manière de finir les autres aller? Qui manière de détruire les autres? Les autres aller, Satan détruire les autres. Il toujours dit à nous, explique-nous clairement. Si nous avons la Bible, nous pouvons trouver. Pas bon Dieu qui nous détruit les autres. Il les autres aller. Il dit à nous ça trois fois dans sa bande versée là. Il est clair et simple. Pas mon parole, c'est la parole de Dieu lui-même. La Bible dit que Jésus fin prend tous nos péchés, fin mettre le lit. Si nous acceptons Jésus, il pour sauver nous de nos péchés. Mais si nous pas acceptons lui, non, il n'est pas capable de faire. Regarde par exemple comment nous guettons Romains chapitre 4, verset 25. Il dit, il, c'est Jésus lui-même, a été livré. Vous trouvez d'aller là? Combien bon Dieu nous autres aller, livrer les autres? Bon Dieu livrer Jésus ici, pareil. Il dit nous comme ça, il, Jésus, et a été livré pour nos fautes, pour nos péchés. Il livre Jésus pour nos péchés. Et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Ça veut dire, là, il montre nous clairement. Jésus finit pour tous nos péchés, finit mettre le lit. Ça veut dire qu'il vient d'un péché. Ça veut dire que bon, Jésus-Christ finit donner une démonstration qui manière nous avons besoin de mort quand l'un prend nos péchés, qui l'amour qui lui peut mort. Il peut mort et l'amour séparation qui bon Dieu les autres aller, qui bon Dieu les lui aussi aller, pour faire autre trouve ça clairement. Le temps bon Dieu les lui aller, il y a le mort là. Mais il n'est pas fin mort et l'amour. Et l'amour qui est mort et cancer, ou bien il finit mort avec une souffrance qui n'est pas capable de tenir, des affaires comme ça, qui mort, parce qu'il y a ça des bandits là. Ils ont souffert, mais ils ont pas encore mort. Tu as besoin de casser les pieds pour être mort. Mais tandis que Jésus-Christ, la prophétie dans l'Ancien Testament, dit comme ça, elle ne les a pour lui, pas pour casser. Parce qu'il est en train de venir avec Jésus, ils ont check Jésus, il finit bien sur la tête, il rentre sur l'esprit, comme Marie, tu peux dire, tu es là, et l'infini mort. Léla, même l'inmo, Léla, un soldat, il prend un pic, il pique de ce côté, Léla, descend avec des l'eau sorti. Léla, banadia, l'infini mort. Léla, un les eaux pour lui pas t'y casser. Pareil comme la prophétie dans l'Ancien Testament, tu dis, un les eaux pour lui pas t'y casser. Et Jésus, il mort, un l'amour péché qu'il finit mort. Il finit mort, un l'amour séparation. Mais seulement à cause de peine à péché dans lui, il finit ressuscité le troisième jour, comment il te dire? Mais si nous pas accepter Jésus, nous prenons sa péché qui nous pouvons amener là, dans nous n'avons pas accepté Dieu. Ça veut dire que nous pouvons accepter nos péchés, nous pouvons vivre avec Satan. Mais voilà qui peut arriver. Nous pouvons séparer avec Dieu, pareil comme sa démonstration qui Jésus, il montre nous l'étendue de la terre là. Ça veut dire, il montre nous dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Il dit, et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il montre nous ça clairement. Qui fait ton abandonnement? Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu fin prend Jiffé, fin brûle Jésus, comment il a dit, mon Dieu, comme ça, si nous pour mort péché, nous pour brûler éternité, éternité. Est-ce qu'il prend péché tout ça, dit le monde entier, il met le lit? Est-ce que Dieu le Père fin brûle Jésus éternellement? Jamais! Jamais! Les Jésus sont séparés! Tant qu'il dit à nous, pourquoi m'as-tu abandonné?
qui fait un abandonnement. Sa parole-là, pas pour bon Dieu, sa parole-là, pas pour Jésus-Christ, sa parole-là, pas pour Dieu le Père, pour Dieu le Saint-Esprit, sa parole-là, pour nous, nous comprendre qui fait en Jésus-Christ, tu besoin mort. Si nous pas accepter sur l'amour, nous besoin pas se penser à l'amour, l'amour, ben frère, sœur. Ça, c'est bien important qu'il nous comprend ça. Apôtre Paul, fin essaye, explique ça dans un sens. Il dit à nous comme ça dans Romains chapitre 3, verset 3. Il dit, et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, si quelqu'un n'a pas croire, c'est que Jésus-Christ vient montrer nous ça la terre là. Leurs incrédulités anéantira telle la fidélité de Dieu. Est-ce qu'ils ont incrédulité? Est-ce que ça pour anéantira telle la fidélité de Dieu? Est-ce que nous mauvais qui nous pouvons faire pour sans fidèle, pour sens, ça bon Dieu là, ce caractère. Jamais. Fait que moi, j'ai un bon un papa, l'eau salatée là. Ses enfants font un grand quelque chose qui n'est pas bon, du mal. Il dit, arrête de faire ça, il continue de faire ça. Mais lui, il y a un bon papa. Est-ce que ses enfants là, pour sens, caractère, ce papa, ou bien ce papa peut attendre qui caractère ses enfants là, viennent comment lire? C'est qui papa là, entend qui caractère ses enfants là, viennent comment lire? Mais si papa là commence à trapper, battre, mais qui c'est là qui ne sens là? Ces enfants là qui ne sens ce papa? Mais Dieu s'amène pour qu'il n'y ait pas de sens. C'est un qui peut apporter pour le dire. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, les incrédulités anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Est-ce qu'il nous croit nous pour sens sur la fidélité? Est-ce qu'il nous croit nous pour faire Dieu, vilain un Dieu vulgaire, un Dieu sans compassion, un Dieu qui n'a aucune miséricorde? Jamais, mon bon frère, sœur. Il dit, loin de là, verset 4, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir, selon qu'il est écrit. Ça, un verset extraordinaire, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Lorsqu'on te juge, toi, tu peux toujours triompher avec la justice. Tu peux toujours vainqueur. C'est nous qui avons menti, mon bon frère, sœur. À ce moment-là, nous avons un verset encore que je vais lire, qui David dit lui-même dans Somme, chapitre 51, verset 4. Il dit, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Verset 3, il dit, ayez pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Dieu pour rester toujours bon, mon bon frère, sœur. Nous besoin de demander bon Dieu. Aide, pareil, comment David il demande bon Dieu. Efface mes transgressions. Tu es si compatissant. Jamais ce compatissant fin ébranlé. Tout le temps, ce compatissant fin reste toujours pareil. Il dit nous, après avoir qu'il Paul montré ben juif l'avantage qu'ils obtiennent, parce que ben juif dit mais alors, nous n'avons aucun avantage. Alors, si bon Dieu compte en ben panier, pareil comme nous, ça veut dire qu'il a avantage maintenant. Apôtre Paul montre que vous êtes bien fort, bien, bien. Il dit, oui, c'est un grand avantage, c'est un an. Qu'ils ont fini recevoir par le prophète, ce qu'ils finissent écrire dans l'Ancien Testament. Il dit, personne n'est pas capable d'attaquer Dieu, sa justice, parce que Dieu lui-même finit amène-lui en cours. Dieu lui-même, il amène-lui en cours. Personne n'est pas capable d'attaquer lui. Jésus-Christ finit remporte la victoire presque 2000 ans de cela, près pour 2000 ans de cela, mon bon frère et sœur. Nous devons choisir à qui côté nous on veut aller, côté gagnant ou bien côté perdant. Mais moi, je souhaite que nous tous choisir côté gagnant. Mais sorry, mon point un petit peu plus de temps, mais moi, je souhaite que vous tous acceptez ce qui moi, avec Marie, avec Jean, fin portant avec autres, mais qui ça, avant autres, un petit peu de l'avant, montre aux autres le caractère de Dieu sur le gouvernement et que Dieu vraiment. Il finit remporte la victoire, mon bon frère et sœur. Ce que nous devons faire, mettre-nous la foi dans lui. Acceptez-le, mon bon frère et sœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen. 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 Amen.